حسن سنا حين مر أمان 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 يا سلام لما بدا يتسلل لما Mentable à 10 ans plus tard, une toute autre histoire, et puis surtout un désir de plus parler de moi. J'avais juste la légitimité de me confronter à ce vêtement symbole, à un moment où il y avait des tas de signaux qui étaient envoyés par la société, autant dans le monde arabe où je voyais apparaître ce vêtement dans un pays où même pas ma grand-mère ni ma mère ne l'ont porté. Donc il y avait quelque chose qui m'avait profondément choquée et j'avais besoin de comprendre. Et donc oui, parler d'une... C'est une pièce à plusieurs niveaux, sociétal, politique, religieux. Déjà la transgression, c'est de rentrer dans un magasin religieux et de dire je voudrais un niqab. Bon, moi j'ai vécu la révolution quand j'avais exactement 18 ans. Donc j'ai eu ma carte d'identité et ma liberté en même temps. Donc pour moi, c'était un événement marquant. Le jour où je deviens légalement adulte, je deviens libre. Et ça a été vraiment très marquant pour moi. Et j'ai toujours dansé, en fait. J'ai toujours dansé depuis l'âge de 3 ans. Mais à partir du moment où tout le monde, hommes, femmes et même enfants, sont sortis dans la rue pour dire « dégage » ou pour dire « on veut changer la situation », tout devient très sensible et ça crée un autre sens à notre existence, au métier qu'on fait et à ce qu'on porte, nous, comme projet. Tout devient politique du moment où une femme se met sur scène et danse. Tout devient politique quand la femme jeune, adolescente, ou femme mature, tout devient vraiment politique du moment où on commence à dire non, où on commence à dire oui, on existe et oui, on veut faire ça.